sur l'anti-gaspi, donc sur la réduction des pertes, des consommations, sachant qu'à court et à moyen terme, on est quand même dans un environnement marqué par l'inflation, et à plus long terme, on a quand même des gros soucis aussi de raréfaction des ressources. Alors, sur cette conférence, donc on a trois profils complémentaires. À côté de moi, donc Philippe Meunier, qui a un titre à rallonge. Alors, je vais le reprendre. Donc, Senior Marketing Sustainability Manager Europe Ecolab Institutional. À côté, donc, Bérangère Haut, qui est CEO France de Big Mama, donc une société labellisée Big Corp et en même temps entreprise à mission. Et à côté encore, Alexandre Rosso, qui est donc directeur général du groupe Loulou, donc quatre restaurants à date, Val d'Isère, Saint-Tropez, Paris, et une ouverture très imminente. À côté de Monaco, oui. D'accord. Et on parlera plus tard des projets. Alors, avant de démarrer véritablement sur comment est-ce qu'on peut procéder, à quel niveau on va pouvoir jouer sur l'anti-gaspi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour d'horizon de votre opinion à tous les trois sur, déjà, pourquoi on doit le faire. Alors, je vais d'abord laisser la parole, honneur aux dames, Bérangère, à toi pour Big Mama. Bonjour à tous. J'espère que l'acoustique est bonne. C'est pas évident dans un salon. Donc, je suis ravie d'être ici parmi vous et sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, je suis un peu étonnée par ta question, Sabine. On ne l'avait pas préparée. Non, je suis étonnée parce que pour moi, la question du pourquoi, elle ne se pose plus aujourd'hui. Je pense que c'est... Alors, peut-être que c'est une réponse qui est trop personnelle, mais pour moi, plus personne ne se demande pourquoi est-ce qu'il faut faire des efforts, pourquoi est-ce qu'il faut réduire le gaspillage, pourquoi est-ce qu'il faut économiser l'énergie. Je pense que depuis quelques années, on a tous suffisamment pris conscience des enjeux. Maintenant, s'il fallait détailler le pourquoi, je dirais que les derniers mois, et particulièrement l'année 2022, nous a donné des raisons entre l'inflation des matières premières générée à la fois par la crise post-Covid et la production, et à la fois par la guerre en Ukraine, nous donne des bonnes raisons, nous, au quotidien, dans le business, de faire des efforts parce que tout nous coûte plus cher, que ce soit sur les approvisionnements ou sur l'énergie. Donc s'il fallait donner un pourquoi à court terme, il y a celui-là. Mais pour moi, la question du pourquoi, elle est déjà résolue depuis quelques années. D'accord. Et Alexandre, justement, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que les... Donc on voit bien quand même qu'il y a un mouvement de l'histoire vers effectivement l'anti-gaspi, mais tu me parlais de la différence aussi entre tes propres consommateurs et tes équipes avec des souhaits par rapport à l'anti-gaspi, par rapport même aux préoccupations environnementales qui sont un petit peu décalées. Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, alors si je rebondis sur ce que disait Bérangère, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que quand on bosse dans la restauration, par définition, on travaille avec des ressources naturelles. Donc, à la base, on est forcément sensible, et je connais peu de chefs ou de gens qui bossent dans la restauration qui ne seraient pas sensibles, d'une certaine façon, à la préservation des ressources naturelles. Donc ça, déjà, c'est l'élément de base. Ensuite, dans quel but est-ce qu'on va le faire ? Évidemment, il y a un sujet de bonne gestion, de saine gestion. Il y a évidemment aussi une raison, enfin par conviction, on le fait par conviction personnelle. Après, il y a deux autres typologies de personnes avec qui on est en contact. Il y a nos clients et nos salariés, nos équipes. Nous, très clairement, et c'est sûrement très polémique, et on en parlait juste avant de rentrer dans la salle, mais nous, nos clients, par exemple, ne viennent pas chez nous pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont totalement insensibles au sujet. Ils viennent chez Loulou pour d'autres raisons pendant ces deux heures-là. Ce n'est pas forcément ce qui les intéresse. En revanche, nous, si on le fait, c'est pour toutes les raisons que j'ai citées avant, et c'est aussi vis-à-vis de nos équipes, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos équipes, parce qu'on pense que c'est important aujourd'hui d'être capable de donner du sens à notre action. C'est-à-dire de façon très tangible, de façon très concrète, d'avoir des actions, que ce soit sur la formation des équipes, que ce soit sur le choix du matériel qu'on va mettre, notamment en cuisine et un peu en salle, que ce soit sur un certain nombre de bonnes pratiques qu'on va faire appliquer aux équipes pour justement réduire au quotidien le gaspillage. Et ça, c'est les équipes aujourd'hui qui nous poussent le plus, nous en tout cas, à le faire, et qui veulent bosser dans des boîtes dans lesquelles ils se reconnaissent. D'accord. Et Philippe, justement, Alexandre parlait de ressources. Et toi, il y a aussi chez vous un gros travail pour limiter une des ressources qui est l'eau.
Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bon, je rejoins déjà ce qui a été dit. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de faire autrement. Mm-hmm. Les ressources, elles sont rares. Si je prends la ressource en eau, en 2015, on pensait qu'en 2030, on serait en déficit sur la planète de 40% d'eau. Aujourd'hui, les chiffres sur 2030, hein, c'est dans 7 ans, c'est 56%. C'est-à-dire qu'on va être en déficit, on va avoir un besoin en eau 56% en plus de l'eau qui est disponible. Ça veut dire des pénuries, ça veut dire du stress hydrique, et dans les deux cas, c'est très compliqué, parce qu'il va falloir moduler entre l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'industrie, l'eau municipale et l'eau pour l'activité professionnelle. Et sans eau, on n'a plus d'activité. Sans eau, si vous êtes hôtelier et que vous n'avez plus d'eau, je pense que vous allez avoir du mal à avoir des clients. Si vous n'avez plus d'eau en cuisine, ça va être difficile de faire des préparations culinaires. Donc la ressource en eau, elle est fondamentale et il faut la préserver. Et chez Ecolab, on a des objectifs qui sont un peu particuliers en matière de développement durable parce qu'ils sont, ils associent nos clients. Et donc dans nos objectifs de 2030, c'est de préserver avec nos clients 1100 milliards de litres d'eau, ce qui correspond à l'eau potable nécessaire pour 1 milliard de personnes. Donc on agit très fortement sur l'eau. Et je pense que, enfin, j'invite tout le monde à faire de même. L'eau, c'est une denrée c'est une ressource qui est extrêmement rare et qu'il faut préserver. On n'en a peut-être pas entièrement conscience parce que c'est pas ce qui coûte le plus cher par rapport à l'énergie, mais c'est quelque chose qui est vital vraiment pour l'homme et pour les activités humaines et pour nos industries, qu'elles soient l'industrie de la restauration ou l'industrie de l'hôtellerie. D'accord. Et donc justement, Bérangère, Alexandre, par rapport à cette... on est beaucoup, nous, sur la réduction de l'énergie ou des différentes matières premières alimentaires, mais est-ce que cette ressource en eau, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous polarisez ou justement, c'est une petite partie finalement des restaurants ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, je réfléchissais à ça tout à l'heure, il y a quelque chose qui... Alors, l'eau n'est pas prioritaire pour nous par rapport aux autres axes de travail. C'est-à-dire qu'en tant que restaurateur, on va travailler sur l'énergie qui est un pôle de travail, donc le gaz, l'électricité, l'eau. On va travailler sur le gaspillage alimentaire, sur nos pertes, sur tout un certain nombre qui compose la gestion. Donc, je comprends le focus de l'eau parce que c'est votre cœur de métier. Chez nous, on a tout un nombre de panels d'axes à travailler. Sur l'eau, ce qui est un peu compliqué. Alors, je ne sais pas, Alexandre, comment c'est chez vous, mais c'est que souvent, enfin, pour piloter, en fait, ce qui est important, c'est qu'on puisse savoir combien ça nous coûte, combien on économise ou combien on paye en plus. Et en fait, l'eau, ce qui est compliqué pour nous, c'est que bien souvent, elle est comprise dans les charges du bail, et donc on n'a pas de lecture directe de combien on consomme. Ce qui est souvent, ce qui est différent souvent pour l'électricité ou le gaz, l'eau, c'est, à titre privé, d'ailleurs, si vous êtes dans des immeubles ou autres, vous n'avez pas toujours une lecture de votre consommation d'eau parce qu'elle va être dans vos charges locatives. C'est un peu pareil pour nous. Et donc, du coup, c'est une des... On a un certain nombre de listes sur l'eau, typiquement. Enfin, ça commence par des actions basiques du type bien fermer les robinets, vérifier la consommation déjà en kilowattheure si on l'a dans certains endroits pour voir qu'il n'y a pas de fuite ou de choses comme ça. Je lance mes machines à plonge que quand elles sont pleines et j'attends qu'elles soient pleines pour les lancer. Mais au-delà de ces mesures, on n'a pas de levier pour... au-delà de ces idées, on n'a pas de levier pour vraiment mesurer les impacts et mesurer si ça marche bien. Donc ça, c'est un point bloquant. Maintenant, si on attendait de pouvoir mesurer pour agir sur le développement durable, je pense qu'on ne ferait rien. Parce que je pense qu'on est tous... Enfin, alors, pardon, je pense. En tout cas, moi et pas mal de monde avec qui je parle, on est extrêmement paumés encore aujourd'hui sur la manière de calculer nos impacts. Je ne sais pas si vous avez, à titre privé, le nombre de discussions que j'ai sur est-ce que c'est mieux de prendre le train, l'avion, la voiture, le machin, l'avion puis le train. En fait, c'est compliqué d'avoir des vrais calculateurs qui sont pertinents, qui sont. Ça dépend toujours du référentiel, ça dépend de ceci, ça dépend de la taille de la veste du capitaine, et c'est compliqué en fait. Donc c'est pareil dans notre secteur, c'est assez compliqué de savoir combien on émet vraiment. Alors nous, on est Bicorp chez Big Mama, donc on est aidé par l'instance Bicorp pour calculer. Mais à titre perso, je trouve ça très compliqué de calculer exactement notre impact et de calculer l'impact des mesures qu'on met en place. Ça ne nous empêche pas de savoir quels sont les bons gestes, quelles sont les bonnes mesures et d'avancer là-dessus, même si en fait, on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'on génère comme progrès. Et pour compléter, il y a
Quand on parle de gaspillage, on parle de quoi? On parle de ce qui sont les pertes en cuisine, on parle de ce qui revient dans l'assiette et on parle de la consommation énergétique. Donc déjà, c'est trois univers différents. Par définition, les pertes, on ne le voit pas. C'est-à-dire que alors il faudrait sinon faire chiffrer au chef à chaque fois qu'il met quelque chose à la poubelle, ça deviendrait assez compliqué. Donc il y a déjà un certain nombre de choses qu'on ne voit pas et c'est là où il faut être le plus précis possible dans les actions opérationnelles. Le premier levier que vous avez pour limiter le gaspillage alimentaire cette fois, moi je pense, on peut mettre toutes les actions en place, le meilleur levier c'est le volume. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de volume, plus vous allez être capable de passer vos denrées alimentaires et vous aurez de facto moins de pertes. Ensuite, nous ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir une meilleure connaissance et une connaissance plus fine de notre activité. On a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui nous permettent d'avoir un petit peu de visibilité. On sait à peu près ce qu'on va faire, effectivement, en termes de nombre de couverts, en termes d'activité, en termes de sur combien de temps ces couverts vont être répartis. On arrive à savoir ce qu'on a encore dans nos chambres froides. On arrive à savoir ce qu'on a comme inventaire théorique, ce qui nous permet de savoir où on va et de ne pas se fier uniquement à l'intuition du chef quand on repasse des commandes ou du barman quand on repasse des commandes ou du sommelier. Ça, c'est un certain nombre d'outils qu'on a mis en place depuis 2-3 ans qui fait que de façon assez concrète, nos taux de marge se sont améliorés de 3 ou 4 points. Donc nécessairement, notre perte et notre gaspillage s'est forcément réduit d'autant. Tu as mis en place des outils spécifiques, justement, ou tu as encore On n'a pas fait décoller la fusée Ariane, mais on a simplement essayé d'avoir des KPI qui remontaient de façon un petit peu plus précise, à la fois sur nos ventes, mais aussi sur nos achats qu'on traque, et d'avoir des inventaires théoriques en fonction des ventes qu'on fait. On sait rien de révolutionnaire, mais simplement, si on n'a pas cette visibilité-là sur notre activité et sur ce qu'on a, effectivement en stock, bah on commande, on fait pas forcément attention et on se retrouve là avec de la perte alimentaire. On a aussi, je parlais de ce qu'il y avait dans l'assiette, sans dire qu'on nourrit moins nos clients, ne me faites pas dire ce que je ne dirais pas, mais on a tendance à moins grammer les assiettes parce qu'il y a une tendance de fond en termes de consommation qui est que nous, on veut rester généreux dans les assiettes, mais on n'est pas dans l'opulence. Et en tout cas, chez nous, la politique, quand on voit effectivement des assiettes qui reviennent systématiquement, qui ne sont pas vides, c'est soit que ce n'est pas bon, premier constat, ça arrive, soit qu'il y en a trop dans les assiettes. Donc on adapte parce que c'est pas forcément, le client ne souhaite pas forcément être rassasié au point de devoir en laisser dans l'assiette. Donc on voit, nous, que progressivement, notamment sur les protéines, on a eu tendance à baisser le grammage en protéines. Si on regarde depuis 10 ans, le grammage a significativement baissé en termes de protéines. Donc ça, c'est un autre. Voilà, c'est plein d'actions très concrètes qu'on a qui vont nous permettre de réduire le gaspillage. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Bérangère, c'est qu'on, même si on ne peut pas forcément le chiffrer, on a quelques éléments qui nous permettent de le voir, mais c'est pas forcément, on n'a pas une lecture directe de ce qu'on va faire comme générer comme économie ou comme gain ou comme impact. Mais d'ailleurs, pendant que tu parlais, Alexandre, j'ai pensé à un truc. On parle du gaspillage, moi je pense aussi à un autre levier. Donc c'est pareil, je change un peu le prisme, mais on est toujours dans l'économie des ressources. C'est travailler déjà des produits de saison et des produits qui soient un maximum locaux. Donc ça, c'est des messages qu'on entend beaucoup en ce moment, mais derrière, ça doit être des réalités. Quand aujourd'hui, sur une carte de resto, moi je vois des aubergines et des tomates, en fait ça me fait peur parce qu'on n'est pas dans la saison des aubergines et des tomates. Et donc en fait, la prise de conscience de toutes ces choses-là dans notre secteur permettra de faire évoluer les choses dans le bon sens. Là, c'est pour parler un peu des cartes. Après, dans la partie gestion de nos ressources, on a aussi toute la partie emballage. Donc là, on est de la restauration assise. Nous, chez Big Mama, on a aussi une partie livraison. Je ne sais pas si vous le faites aussi, non. On a une partie livraison donc avec la marque Napoli Gang. Cette année, on travaille avec Uber Eats. Cette année, avec Uber Eats, on a l'ambition d'essayer d'aller beaucoup plus loin sur le développement de la consigne, qui est un axe de travail majeur dans ce secteur-là, parce que la livraison à domicile, c'est une gabegie de plastique et d'éléments jetables qui est, à mon sens, intolérable, et sur lesquels il faut absolument qu'on avance sérieusement. Et peu de choses sont faites parce que c'est très compliqué. Donc nous, chez Big Mama, on a envie d'avancer cette année, et j'espère que dans un an, si on se revoit, j'aurai des bonnes nouvelles, ou en tout cas, on aura vu passer des améliorations significatives. Mais là, c'est aussi un axe de travail énorme qu'il y a à faire. Et donc, pour ceux qui sont familiers, donc là, depuis janvier, la loi AGEC a imposé un certain nombre de nouvelles règles. Et notamment, je pensais à McDo ou à Burger King qui ont arrêté
les emballages plastiques sur le lieu de, enfin les emballages jetables, pardon, sur le lieu de restauration. Et ça, c'est une prouesse incroyable de que des entreprises de cette taille réussissent au 1er janvier à être respectueux de cette règle. C'est génial. McDo, c'était 115 tonnes de déchets par jour en France. Donc là, ça veut dire que sur ces 115 tonnes, bon, il y a une partie qui est de la livraison, donc ça, elle continuera à être jetée. Mais il y a une énorme partie qui est chaque jour maintenant économisée grâce à cette loi AGEC. Donc c'est, tout ça va dans le bon sens. Mais vous voyez, il y a des tas, on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y a des tas d'axes. Comme dit Alexandre, on ne réinvente pas la roue, c'est que des petites actions. Mais en fait, si elles sont conduites opérationnellement de manière précise et sérieuse, ben on va avancer sur chacun de ces pôles pour être meilleur et surtout pour faire changer les mentalités. Sur nos collaborateurs jeunes, c'est déjà intégré. Après, il y a le combat des clients. Alors, si vous êtes dans la restauration accessible, si vous êtes dans le haut de gamme, si vous êtes les clients vont être un peu différents, mais il y a quand même un combat du client. Quand on discutait en préparant cette table ronde, moi, je disais, mais à la maison, on peut être des ayatollahs du bio, par exemple, ou faire hyper attention à recycler, etc. Et puis quand on arrive au restaurant, on a envie de mettre une parenthèse sur nos convictions pendant deux heures, de ne pas se poser de questions et d'être juste dans un moment de plaisir. Donc c'est compliqué, nous, d'attendre que le client soit sensible à ça. Et aujourd'hui, le client ne va pas choisir de manière extrêmement minoritaire ou pour des questions holistiques, mais sinon ne va pas choisir le restaurant dans lequel il va parce que ce restaurant fait du bio ou parce qu'il recycle ses déchets ou il fait du compost. A priori, ce n'est pas ça le driver de choix d'un client. Par contre, on a nos salariés qui nous pousse à bouger. Et juste après, je repasse la parole, je suis très longue, mais je sens l'impatience qui monte, là, ça me stresse. Non, juste pour un petit élément, il y a 5 ans, quand je suis rentrée chez Big Mama, personne ne parlait vraiment, nous, on est rentrés dans la démarche Bicorp à cette époque-là, dans les recrutements, personne ne parlait de ça. Aujourd'hui, dans 90% des personnes qui postulent au niveau des fonctions support dans le siège, tout le monde nous parle de Bicorp et du fait qu'on est une entreprise à mission, etc. Donc on voit comment quelques années, en tout cas dans la partie jeune, parce que chez Big Mama, on a des équipes particulièrement jeunes, le travail a fait son chemin et la question du pourquoi ne se pose plus. Comme ça, j'ai fait une boucle et maintenant, je vous laisse la parole. Donc là, on disait qu'il était important de mesurer. Et donc, Philippe, pour accompagner les clients, est-ce qu'il faut aussi il faut leur expliquer en quoi c'est important? Et ensuite, il faut aussi les sensibiliser à certaines choses, puisqu'on voit que sur l'eau, les restaurateurs, donc tu as dit que ce n'était pas forcément visible au niveau des factures, et qu'en plus, ce n'est pas l'axe prioritaire qui est choisi. Bah, clairement, oui. Ce n'est pas là où on va faire des économies budgétaires sur un restaurant, même si vous économisez des milliers et des milliers de litres d'eau, par rapport à des économies d'énergie. Donc ça veut dire travailler avec les équipes. Il y a des choses toutes bêtes. Hein. Si vous prenez le lavage de la vaisselle en machine professionnelle, il y a ce que tu as cité tout à l'heure et que j'ai trouvé très pertinent, c'est de démarrer le lave-vaisselle que quand il est plein et pas à 10h du matin quand le service commence à midi, parce que là, il chauffe de l'eau pour rien. Mais il y a aussi former parfaitement les plongeurs à la mise en casier, avoir les bons produits pour avoir de la vaisselle propre après un seul passage en machine. Parce que si vous relavez de la vaisselle, vous allez reconsommer de l'énergie, vous allez reconsommer de l'eau, vous allez reconsommer du détergent de lavage et vous allez reconsommer du produit de rinçage. Et là, il y a des économies à la clé qui sont importantes. Et tout ça, ça peut se faire très simplement avec une bonne formation du plongeur. Et la formation, ça commence par expliquer pourquoi on le fait. Et je crois que justement, avec des gens qui sont de plus en plus attentifs dans leur propre vie à l'environnement et au développement durable, c'est plus facile d'expliquer ces choses maintenant que ce que c'était il y a une dizaine d'années. Alors, j'irai un peu plus loin là-dessus. On parle de... Là, on a beaucoup parlé des sujets opérationnels du quotidien. Je pense que le sujet, il se travaille aussi en amont dans la conception des cuisines et sur la partie investissement. Et je pense que Philippe, tu ne diras pas le contraire, ni Bérangère d'ailleurs, mais voilà, nous, on passe beaucoup de temps aujourd'hui avec nos bureaux d'études, avec nos cuisinistes et avec nos bureaux d'études fluides sur la conception des cuisines et la typologie de matériel qu'on va installer. Donc les questions qu'on se pose, elles sont très simples.
on va mettre du matériel plutôt de qualité, comme ça il est effectivement durable. Et on commence à avoir des innovations technologiques qui vont nous permettre d'aller récupérer par exemple des sources de chaleur pour aller chauffer l'eau qui va aller en plonge. On va utiliser des solutions pour compacter les déchets. On va utiliser un certain nombre de solutions qui aujourd'hui arrivent sur le marché qui sont matures, dont on parlait peut-être il y a 3, 4, 5 ans, mais qui n'étaient pas suffisamment éprouvées pour pouvoir tenir le rythme d'une cuisine professionnelle qui fait 700, 1000, 2000, je ne sais pas combien vous faites de couverts par jour, mais on doit, dans chaque resto, ouais, des milliers de couverts par jour. Il faut quand même des équipements et des technologies qui soient extrêmement robustes. Et nous, on voit aujourd'hui ces solutions arriver. Et nos bureaux d'études et nos cuisinistes nous les proposer et nous proposer d'innover sur cette partie-là qui va nous permettre de réduire la consommation en eau, en produits lessiviels. Et évidemment, tout ça s'accompagne d'une bonne formation. Vous pouvez mettre une Ferrari à quelqu'un qui n'a pas le permis, ça ne marchera pas mieux. Donc évidemment, la base du sujet, c'est la formation des équipes, que ce soit les plongeurs, mais que ce soit les commis qui débarrassent sur la façon effectivement dont ils remplissent les bacs. Enfin, chaque maillon est important parce qu'on fait un métier qui est divisé en une somme de petits maillons. Mais l'équipement, le sujet aussi effectivement du choix des équipements et des investissements, il est essentiel dans cette dimension économie d'énergie et économie des ressources. Oui, le choix des équipements, le changement aussi, c'est... je ne sais pas si vous avez pu assister à Sustain, qui est le Sustain 2023, qui est la conférence d'EcoVadis qui a démarré hier. Et donc, il y avait le docteur Picard, qui est le docteur qui est du Solar Impulse, et qui disait qu'il faut changer de paradigme. Aujourd'hui, il prenait un exemple très simple, hein, c'est sur les voitures qui utilisent des moteurs thermiques qui ont un rendement de 60-70%. Alors qu'on a des technologies qui permettent d'avoir des rendements sur des moteurs, avec du solaire notamment, de 97%. Donc il faut casser ce modèle-là, il faut passer à des étapes supérieures, il faut changer des équipements, il faut changer des méthodologies. Si je prends en cuisine, combien de cuisines qui travaillent encore en aspergeant d'eau avec un poste de désinfection, avec plein de détergents désinfectants, sur une cuisine qui fait une centaine de mètres carrés, c'est 70 000 litres d'eau qui sont pulvérisés, alors qu'il existe des technologies en changeant de méthode, en changeant de produit, on peut économiser 60, 70%, voire 90% de cette eau en ayant une hygiène sanitaire qui est exactement la même. Donc c'est changer de modèle. C'est pas parce qu'on a fait pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans quelque chose qui marchait qu'il faut continuer à le faire. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres moyens. Et il faut vraiment aller dans cette direction-là. Mais là, c'est sur ce genre de truc qu'on a un peu de mal à être copains. Parce que, non mais, à la fois, je suis... Si, ça marche. D'accord. À la fois, je suis hyper d'accord, évidemment. Mais en fait, ce que je trouve super compliqué, notamment sur l'utilisation de ces produits, c'est qu'en fait, au bout du bout du bout, les personnes qui les utilisent, elles, justement, elles font le même geste depuis 15 ans. Et en fait, il faut leur répéter tous les jours, de faire ce geste différemment, de faire juste un dosage au lieu de faire cinq, parce qu'on a changé de produit et que le produit est plus concentré, etc. Et en fait, ce truc-là, c'est que ce combat-là sur le produit, il faut aussi qu'on l'ait sur le film plastique qui contire, il faut aussi qu'on l'ait sur la barquette qu'il faut mettre dans la bonne poubelle, etc. Et on a des salariés qui deviennent... pour qui, en fait, c'est une montagne. C'est-à-dire qu'on a parlé de ceux qui étaient sensibilisés, qui arrivent, avec des idées pour changer le monde. Et puis après, il y a ceux qui sont en bout de la chaîne, qui sont là, qui bossent comme des fous, qui terminent à 2h du matin, qui doivent se faire 2h de bus pour rentrer chez eux et se réveiller 3h après. Et en fait, ces gens-là, c'est super compliqué pour eux, tout ce qu'on leur demande, parce qu'à la fin, c'est sur eux que tout ça retombe. Donc nous, d'avoir le débat intellectuellement en se disant « Ouais, c'est bien, il faut passer sur Ecolab parce que ça va être plus... » En fait, la traduction opérationnelle, elle est super compliquée. Et on a besoin de vous comme acteurs pour nous aider dans cette mise en œuvre opérationnelle. Ça peut être des petits tutos super clairs avec 3 dessins qu'on comprend sans savoir lire ou sans savoir parler français. Ça peut être... Il faut que ce soit simple, en fait. Il faut que ce soit simple, il faut que le message soit facile, il faut que les utilisations soient faciles. Et là, ça peut marcher. Et honnêtement, c'est un combat de tous les jours et c'est un combat qui finira jamais parce que on est dans des secteurs où les équipes, il y a beaucoup de turnover, donc on passe notre temps à réenseigner. Et donc il faut qu'on travaille main dans la main pour que ce truc-là soit le plus fluide et le plus facile possible. Sinon, pour nous qui dirigeons ces équipes-là, ça devient des
ça devient des Himalayas à gravir. Et puis à un moment, on va abandonner sur 2-3 axes parce qu'on va dire, OK, on va focaliser sur une chose. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas une chose. On a 50, 100 combats à mener sur des tas de gestes quotidiens. Ouais, c'est pour ça que nous, on privilégie tous les dosages automatiques pour qu'on n'ait pas à se poser de questions. Le système dose tout lui-même. Oui, mais ça me fait rire parce que moi, je les ai vus, les dosages automatiques. Ben, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent le matin, ils se disent, mais c'est quoi ce truc qu'on m'a mis? Ils le débranchent c'est et ils mettent eux-mêmes la dose. Ils enlèvent le truc. Sauf que ce n'est pas possible. Ouais, sauf bon, que ce n'est pas possible. Justement, l'idée, c'est de travailler avec des poches hermétiques pour qu'il n'y ait pas de bidon volant. Parce qu'un des risques de gaspillage, c'est le bidon volant et puis on asperge le sol avec le bidon. Et là, on a tout faux. Donc, c'est avoir des poches qui soient sécurisées, fermées, scellées, avoir des produits solides. Donc, vous ne pouvez rien faire parce qu'il est solide. Et s'il n'est pas dans le doseur, il ne marche pas. Donc, c'est se travailler sur des choses qui soient plus simples pour les utilisateurs. Pas de gros bidons à porter, mais des choses plus légères et qui soient plus sécurisées. Et puis mettre en place des formations avec vos équipes de manière régulière, fréquente, parce que ça, c'est vital et c'est ce qu'on fait depuis des années. C'est l'ADN, c'est notre ADN. Ouais. Mais je pense qu'on en revient à la première question de Sabine, qui n'était peut-être pas à côté de la plaque là-dessus, c'est pourquoi? Non, mais c'est pourquoi, en fait? Quelle est la motivation? Moi, je serais curieux de savoir pourquoi vous êtes là déjà et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce qu'on dit là. Parce que c'est un sujet qui est, évidemment, il y a la conviction personnelle des gens qui veulent le mettre en œuvre. Mais au quotidien, après, on a dit, dans tout ce qu'on a dit, on voit toutes les barrières assez facilement, notamment la barrière de l'usage et du « ça fait 15 ans qu'on fait comme ça, donc pourquoi on changerait ?» qui est dans la restauration, mais dans tous les métiers du monde. Hein. Je pense que c'est absolument pas lié à la restauration. Donc, quelle est la motivation et comment on va pouvoir apporter sur le terrain auprès d'un resto où on a, nous, une centaine de salariés par resto. Je ne sais pas vous combien, mais à peu près pareil, je pense. Voilà, des centaines de salariés par restaurant. Comment est-ce qu'on va arriver à leur donner, à leur apporter la motivation ou en tout cas la compréhension que leur geste va effectivement contribuer à une somme de gestes et après arriver à l'objectif qu'on souhaite? Et ça, la réalité, quand vous êtes dans le jus et que vous avez un service avec 700 couverts à assurer, ça vous paraît très, très lointain. Et effectivement, entre la personne qu'on avait en entretien qui, cette phrase que j'aime pas trop, mais cherche du sens ou en tout cas a besoin qu'on lui explique ce qu'on fait en termes de démarche, etc. Quand vous prenez la même personne, 3 semaines plus tard, plongée dans un service avec 700 couverts, le chef qui forcément part un peu dans les tours si le service ne se passe pas bien, etc. Je peux vous assurer qu'on est très, très, très loin de toute la partie, de tout ce que j'appelle moi la vision un peu utopique dont on parlait Sabine au téléphone quand on l'a préparé. C'est-à-dire il y a toute la conviction qu'on peut avoir et après il y a la réalité du terrain, d'un métier où vous ne pouvez pas dire à votre client « Attends, je règle ma machine doseuse parce que je suis à la bourre et je reviens de servir dans une demi-heure. » C'est-à-dire vous êtes dans un métier de live. Donc, de toute façon, le client passera en premier et le fait de faire le service passera en premier. Donc, c'est là où la réconciliation est parfois un petit peu difficile dans notre univers et que dans ces cas-là, moi, je suis plutôt partisan de la règle du petit pas. C'est-à-dire on va essayer de régler chaque petit sujet un par un plutôt que d'essayer d'affronter et de s'attaquer à tous les sujets en même temps, ce qui est totalement impossible. Et à partir du moment où vous avez fixé un problème ou un sujet, vous allez fixer le deuxième. Le premier, vous savez qu'il va falloir revenir dessus parce que 3 mois plus tard, vous aurez la moitié de l'équipe qui sera déjà partie. Donc, c'est une espèce d'itération et c'est un cercle comme ça. Vous allez monter un peu en faisant des circonvolutions comme ça pour progressivement faire changer les choses, faire changer les habitudes et arriver à être effectivement plus performant sur ces différents axes. Et peut-être, je fais écho à ce que je disais tout à l'heure sur les KPI et le fait que ce soit difficile aujourd'hui de mesurer les effets de ces actions-là. Peut-être qu'une chose qui nous aidera à un moment, c'est de pouvoir mesurer les actions. Parce que quelque part, ce qui va faire que le collaborateur trouve du sens dans tous ces efforts qu'on lui demande, c'est le jour où on peut lui dire, grâce à toi, on est passé de 3 à 6, et puis à 7, et puis à 8. Et là, il aura vraiment la lecture de ce qu'il apporte en contribution d'abord aux actions concrètes de son entreprise et puis de manière générale à tout l'écosystème puisque c'est ça qu'on veut générer. Donc effectivement, le fait de ne pas avoir de KPI bien mesurable, ça ne nous aide pas. Maintenant, B Corp, ça aide quand même parce que B Corp, ça nous donne une note. Cette année, nous, on a terminé à 96,5. Je crois qu'il y a, je dis probablement une bêtise, mais il y a 5 ans, on était autour de entre 85 et 90. Donc, en fait, on voit qu'on progresse sur cet indicateur. Maintenant, c'est une somme de... Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes. Donc, après, il faudrait pouvoir mesurer au fil du temps. Est-ce que tu sais sur quoi vous avez progressé, justement? Ou est-ce que c'est vraiment tout à avancer en même temps?
quasiment tout avance en même temps. C'est-à-dire que, alors, Bicorp, il n'y a pas que de, il y a pas que du développement durable à proprement parler. Il y a aussi la RSE. Il y a aussi, donc, il y a vraiment plein d'axes. Et en fait, sur les 5 dernières années, on a travaillé énormément d'axes sur les achats, la logistique, l'énergie, le gaspillage matière. Enfin, toutes les choses qu'on a pu évoquer et bien d'autres qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Toutes ces choses-là ont progressé et la partie RSE, droit du travail, égalité homme-femme, etc., a progressé aussi. Donc, il n'y a pas vraiment un axe en particulier, mais c'est vraiment une évolution positive sur tous les champs qu'on peut aborder. Alors, on a abordé très légèrement aussi l'emballage. Est-ce qu'on peut revenir chacun un peu dessus, justement, sur qu'est-ce que vous faites, c'est quoi, même les petits gestes qu'on peut faire au fil des jours, parce que c'est aussi un des enjeux les plus importants pour les années à venir. Oui, alors donc j'ai évoqué les produits concentrés, les produits solides. Donc typiquement, un produit de lavage de la vaisselle traditionnel, c'est un gros bidon de 25 kg avec un bidon qui pèse 900 grammes, donc 900 grammes de déchets de plastique. Nous, on travaille sur des solutions solides, c'est-à-dire que vous ne transportez pas de l'eau déjà. Équivalent à ce gros bidon pour un produit de rinçage, on va avoir un pain solide de 1 kg qui va avoir 7 grammes de plastique en déchets d'emballage. Donc c'est des réductions qui sont énormes sur les déchets d'emballage. Et donc ça, Ecolab, ça fait allez, je dirais près de 30 ans qu'on est dans cette démarche d'essayer de réduire les déchets d'emballage. Et puis l'étape suivante après la réduction, c'est la réutilisation. Donc on est présent dans différents secteurs. Dans les secteurs industriels où on sert l'industrie agroalimentaire, on est déjà à des taux extrêmement élevés de réutilisation de nos emballages. Je dirais la prochaine étape, c'est essayer de pouvoir faire la même chose sur les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie pour réutiliser les emballages. Parce que c'est bien de les recycler, c'est bien d'avoir des emballages recyclables, mais c'est mieux de pouvoir les réutiliser. Voilà. Donc ça, c'est l'étape suivante. Alors sur la partie emballage, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Alors d'abord, quand on suit la route d'un produit, d'abord il est livré chez vous. Donc au niveau de la livraison, on a déjà pas mal de sujets. On reçoit des tonnes de cartons, on reçoit encore le poisson aujourd'hui dans le polystyrène. Le polystyrène, ça termine directement dans les océans, ça devrait plus exister, mais voilà, l'usage fait qu'on reçoit encore ça. Donc là, il y a un premier axe de travail qui est comment est-ce qu'on fait pour réduire le nombre d'emballages. Alors ça, c'est un travail que finalement, le restaurateur va subir ce travail-là parce qu'il doit être fait en amont par nos fournisseurs. Mais les restaurateurs peuvent être demandeurs auprès des fournisseurs et peuvent essayer, parce qu'ils deviennent de plus en plus demandeurs, de faire changer les choses. Donc il y a réduire le nombre d'emballages. Il y a aussi des entreprises qui commencent à se développer. Je pense à Pandobac, qui est une start-up que j'accompagne, qui travaille sur des emballages lavables. Donc en fait, l'idée, c'est qu'ils approchent vos fournisseurs qui sont à Rungis, ils leur font un système d'abonnement de bacs lavables, ils les lavent et ils les redonnent. Et donc vous, restaurateurs, vous recevez des bacs lavables empilables, ça vous évite d'avoir du carton, ça vous évite de remplir des poubelles. Il y a des bacs qui sont conçus pour le poisson, donc ça vous évite le polystyrène. Et là, on commence à partir dans quelque chose de vertueux. Ça n'avance pas très vite, le Covid a mis évidemment un point d'arrêt terrible sur ces questions qui étaient bien abordées en 2018-2019 et sur lesquelles on a eu une espèce de d'arrêt sur image, mais ça reprend. Donc ça, c'est des solutions sur lesquelles, en lesquelles je crois beaucoup et qui peuvent vraiment significativement changer les choses. Et en plus, c'est gagnant-gagnant puisque le restaurateur, moins d'emballage, ça veut dire moins de personnes ou d'heures de personnel pour casser les cartons et remplir les poubelles, ça veut dire moins de bacs qui sont facturés dans une collecte de déchets, etc. Donc le truc est totalement vertueux. Ensuite, donc, quand on poursuit la chaîne, la livraison arrive dans la cuisine. Donc là, c'est formation des équipes pour trier. Donc les cartons, évidemment, on les casse, on les plie, on a une presse à balles si on peut et on les met dans la bonne poubelle. Les plastiques, on les met dans la bonne poubelle, etc. Donc là, je ne suis pas en train de réduire le nombre d'emballages, mais déjà, je suis en train de au moins les gérer pour que tout ne finisse pas dans le DIB et qu'à la fin, ce soit juste enfoui et qu'on puisse les traiter. Et puis après, il y a les usages en cuisine. Là, moi, j'ai un combat, il est dur, ce combat. Donc aujourd'hui, je n'ai pas de victoire. Pareil, j'espère que dans quelques années, je pourrai vous apporter des victoires. Mais j'ai le combat du film plastique dans les cuisines. Le film plastique dans les cuisines,
on a des normes d'hygiène dans ce pays qui sont nécessaires et qui sont super, et en même temps qui nous obligent parfois à être en contradiction par rapport à nos envies d'être plus vertueux. Et donc typiquement dans les cuisines, les usages dans n'importe quelle cuisine, c'est de prendre son bac gastro, de le filmer en faisant des tours et des tours et des tours, et puis le lendemain, on coupe avec un couteau, tout ça par la poubelle, et voilà. Et ça, c'est du film plastique à usage unique. Donc de toute façon, ce sera interdit dans quelques années avec cette fameuse loi AGEC, mais ça, c'est un combat. Il faut qu'on fasse quelque chose sur ce truc-là. Je pense qu'avec les mêmes normes d'hygiène et le même respect des normes, on peut arriver à ne pas utiliser autant de plastique, ou en tout cas, enfin, à ne pas en utiliser du tout si c'est possible, ou en tout cas en utiliser moins. Changer de geste, peut-être. Après, j'imaginais, moi, des espèces de couvercles un peu en silicone, comme ce que vous avez à la maison, voilà, qui se mettraient sur le bac gastro. Et voilà. Mais ce n'est pas si simple. Les innovations sur le marché ne sont pas forcément là, ou alors ce n'est pas à des coûts qui sont acceptables pour les restaurateurs. Mais voilà, en tout cas, c'est des choses qui avancent doucement, mais sur lesquelles on peut agir. Je vais te laisser la parole, parce que je parle trop. Toute la partie livraison en plus que moi je fais pas. La livraison, la livraison, je l'ai évoqué tout à l'heure sur les emballages. Il faut qu'on travaille la consigne. C'est un énorme chantier et qui est pas du tout simple. Parce qu'en fait, juste pour dérouler un tout petit peu l'idée pour que vous compreniez la complexité, si je veux faire de la consigne, moi Big Mama, avec ma marque Napoli Gang, c'est bien. Le client, il reçoit son emballage en verre ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il en fait une fois qu'il a fini? Si le livreur Uber le récupère, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un livreur Uber revient récupérer l'emballage. Bon, bah là, du coup, je dépense en carbone beaucoup plus. Ça veut dire des points de collecte. Donc, par exemple, ça voudrait dire le client doit me redéposer son emballage dans un resto Big Mama. Bah, en fait, il se fait livrer à la maison. Par définition, il n'a pas forcément envie de faire un kilomètre pour trouver un resto Big Mama. Donc, ça veut dire avoir un réseau de points de collecte suffisamment dense dans une ville pour que ça devienne intéressant, que vous ayez votre point de collecte, pas forcément dans le local poubelle de votre immeuble, mais qu'au moins vous ayez 5-10 minutes max à faire à pied pour aller dans un point de collecte, sinon vous ne le ferez pas. Et ensuite, le point de collecte, c'est bien, mais en fait, Big Mama, moi j'ai peut-être besoin d'un emballage qui fait 10 cm sur 10 ou mon emballage de pizza, mais si je bosse dans un réseau avec Sushi, avec Itsu et puis Léon de Bruxelles et je ne sais pas qui ont aussi leurs emballages, très bien, le client il va le rapporter mon emballage chez Londres-Bruxelles, qui va s'occuper de laver mon emballage, qui va s'occuper de me le ramener derrière. En fait, vous voyez, toute la complexité quand on commence à dérouler le truc, c'est un sujet qui doit être à la fois, qui doit embarquer pas mal de monde, parce que sinon ça ne marche pas, si tout seul à vouloir le faire, ça ne marchera pas, mais qui en même temps va coûter à un moment de l'argent à quelqu'un. Le consommateur, il sera prêt à en payer une partie, ça j'en suis persuadée, que une grande partie, on dit que 76% des Français sont sensibles à la cause écologique. Je suis persuadée que sur ces 76%, une partie est capable de mettre 1 euro, 2 euros, peut-être consigné, donc c'est-à-dire qu'il le récupère à un moment, mais je suis convaincue. Mais ça ne payera pas tout. Donc à un moment, il y a des gens, enfin, il y a des acteurs. Est-ce que c'est Deliveroo, Uber? Est-ce que c'est le restaurateur? Est-ce que c'est les pouvoirs publics? Ça va coûter de l'argent. Et donc, il y a besoin d'avoir une force de frappe. Et toutes ces responsabilités-là ne sont pas encore bien définies. C'est un chantier énorme, mais pour autant, il faut l'adresser, parce qu'on peut faire autant d'efforts qu'on veut. Si on continue à avoir des milliers de tonnes d'emballages jetés, enfin, je ne sais pas si vous êtes travaillé dans des bureaux. Moi, dans les bureaux, ce qui me choque, c'est après la pause déj, vous passez près des poubelles, ça déborde d'emballages, des sushis, des trucs. C'est catastrophique. Donc si on n'arrive pas à s'attaquer à ça, en fait, on peut faire beaucoup d'efforts à côté. Il faut qu'on trouve les bonnes idées sur ce domaine-là. Voilà, comme ça, C'est bon. J'ai plus rien à dire maintenant. Je pense que dans la restauration, effectivement, le gros sujet des emballages, il est sur cette partie livraison, take-away, enfin, à emporter. En termes de restauration assise, effectivement, ça va jouer sur la partie amont, donc sur les commandes. Et qu'est-ce qu'on a, nous, comme levier en tant que restaurateur sur les commandes? Parce qu'une grosse partie va venir des fournisseurs. On a la typologie des pièces qu'on va acheter. C'est-à-dire que nous, on essaye, par exemple, d'acheter des pièces entières qu'on va portionner nous-mêmes, des poissons entiers qu'on va reportionner en filets. Ce qui fait que plutôt que d'avoir 20 filets avec 20 emballages différents, bah, vous avez un poisson qui arrive, alors certes dans un bac polystyrène, mais voilà, on arrive déjà de cette façon-là à limiter une partie des emballages. Ensuite, il y a la gestion l'optimisation des commandes. Alors, ça, c'est ça a un impact, en fait. On ne le fait pas pour limiter le nombre d'emballages, mais effectivement, on va essayer de commander
à des rythmes réguliers tous les deux jours, mais de mutualiser des commandes, ce qui fait qu'on évite d'avoir des bacs à moitié remplis ou des cartons à moitié remplis. Et on s'assure effectivement qu'un un emballage, quel qu'il soit, ou un contenant, quel qu'il soit, soit maximisé. Ça a une autre vertu, c'est qu'en mutualisant ces livraisons, bah, vous essayez de faire en sorte que votre économe, qui est la personne qui est chargée de réceptionner la marchandise et de la ranger, bah, il va ranger tout le froid en même temps, plutôt que d'ouvrir 45 fois les chambres froides et de consommer de l'électricité en plus. Donc ça, c'est plutôt sur la formation en termes de commandes, la gestion des approvisionnements sur lesquels on peut avoir un petit impact qui est assez significatif pour nous, parce que souvent une cuisine... c'est vrai qu'en termes d'espace, c'est quand même souvent le parent pauvre d'un restaurant. On va essayer de maximiser plutôt les espaces dans lesquels on reçoit les clients. Donc, on n'a jamais assez de place en cuisine. Donc, plus on peut limiter la place qui est prise par la gestion, effectivement, toute la phase de décartonnage. Donc, si on peut limiter l'emprise physique de cette étape-là, limiter le nombre de cartons, limiter l'impact du décartonnage, c'est sûr et certain qu'on sera opérationnellement gagnant. Mais je pense qu'on le fera plus pour ces raisons-là. Honnêtement, sans être totalement, si on est en étant un peu réaliste, on le fera principalement pour ces raisons-là, plus que par souci direct de limiter la quantité d'emballage. Donc sur les bacs gastro avec couvercle en joint silicone, ça existe, ça existe beaucoup plus maintenant qu'avant, grâce à la loi AGEC et à la loi EGalim, puisque beaucoup de collectivités sont en train de passer du réchauffage dans des contenants plastiques dans des contenants réutilisables, donc ce qui veut dire changer le type de contenant pour la réchauffe, pour la mise sous vide. Et donc, ça permet d'avoir ces bacs gastro qui permettent de s'affranchir du film plastique. Donc, ça arrive. On va finir copains, alors. J'espère. Alors, je pense qu'on arrive progressivement à la fin de la conférence. Donc, ce qui m'intéresse, vous avez fait une politique de petits pas. C'est quoi, pour vous deux, déjà, les next steps? Vous avez parlé d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être aller au-delà. Enfin, est-ce que l'un et l'autre? Et ensuite, Philippe aussi, vous me direz quels sont les next steps pour Ecolab. Donc, je pense qu'on était assez d'accord avec Alexandre pour dire qu'il n'y avait pas d'action coup de poing ou de choses révolutionnaires et qu'il fallait effectivement avoir beaucoup d'humilité et prendre chaque petit pas comme une victoire. Et ça, je pense que ça doit être la philosophie dans notre métier, qui est de toute façon un métier de... plein de petites actions opérationnelles. Donc les next steps, c'est de continuer ces petits pas. Moi, j'ai évoqué deux combats personnels pendant cette table ronde qui étaient la consigne sur la vente en livraison et le plastique dans les cuisines. Chacun peut choisir ses petits combats et avancer comme ça. Ça, c'est les next steps. Après, sur la partie investissement qu'Alexandre a évoqué tout à l'heure et sur laquelle j'ai effectivement exactement la même vision, nous, il y a deux temporalités. Il y a les nouveaux restos que vous ouvrez. Et sur ces nouveaux restos-là, bah, c'est à chaque fois une opportunité de partir directement avec les bonnes machines, de partir avec les bons matériaux de construction, de partir avec la clim ou le chauffage qui soit le plus écolo possible, enfin ou le moins polluant possible. Et puis après, vous avez les restos existants sur lesquels c'est toujours plus compliqué parce que c'est ce qu'on appelle les capex défensifs, c'est-à-dire vous allez changer une machine, oui d'accord, mais si j'ai acheté ma machine il y a 2 ans, est-ce que c'est vraiment écologique de la changer maintenant, même si elle va être plus performante? Donc il y a quelque part une forme d'attente du cycle de nos renouvellements. Alors on a la chance de faire beaucoup de couverts, donc de toute façon les machines ont des temps de vie qui sont écourtés. Mais dans le renouvellement du parc, il doit y avoir à chaque fois ces questions de oui, ok, je vais prendre la machine qui coûte un peu plus cher, mais par contre elle va être... A ou B ou C, et elle ne va pas être E ou F. Et je pense qu'on a une vraie responsabilité à ça. Et après, il n'y a pas que les machines, il y a aussi, je l'ai évoqué, les matériaux de construction. Quand on fait des travaux dans des restos existants, typiquement après un incendie ou autre, et ben on peut se reposer la question de, ok, je mets quoi au sol, je mets quoi au mur, je mets quoi comme isolation, est-ce que je mets ou pas une clim, quel genre de performance je veux, pour à chaque fois remettre au centre de la table ces questions écologiques dans des moments qui sont des moments d'investissement. Voilà, je pense qu'on ne va pas se mettre à tout changer d'un coup parce que ça nous coûte trop d'argent et on est quand même sorti assez affaibli de ces crises constantes. Mais se poser la question, en tout cas à chaque renouvellement, c'est important. Je pense que les next steps, on les a. Alors ça fera peut-être un peu office de conclusion, mais je pense que le premier sujet, c'est... formation des équipes. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus, c'est un sujet essentiel. Le deuxième pour nous, c'est effectivement d'arriver à trouver une façon de
rendre concret ces éléments, c'est-à-dire de le verbaliser même pour nous, que ce soit équipe dirigeante ou pour les gens sur le terrain. Moi, je prenais cet exemple. On a une forme de spécialité. Nous, on travaille beaucoup sur des restaurants qui sont des concessions de la part d'acteurs publics, que ce soit des mairies ou des musées. Notre restaurant à Paris est au sein du musée des Arts Déco. On a une concession à Ramatuelle. Donc, on a un petit peu cette spécialité-là. Et on s'est rendu compte que ce sont les acteurs publics, notamment, qui ont cette capacité aussi à nous imposer des choses, mais à nous obliger à formaliser des choses que nous, on faisait déjà. C'est-à-dire que dans le cadre des dossiers d'appel d'offres, ils nous demandent énormément de choses sur la partie environnementale, énergétique, gestion des déchets, gestion du gaspillage, politique sociale et sociétale. Donc, il y a énormément de choses que ces acteurs publics vont nous demander. Et ils sont en position de le faire, contrairement à un bailleur privé qui, lui, vient chercher un loyer, un rendement, mais des choses complètement différentes. Nous, on a trouvé ça très vertueux, même si c'est très contraignant au début, parce que ça nous a obligés à formaliser, à verbaliser un certain nombre d'actions que nous, on avait et qu'on faisait sans forcément s'en rendre compte. Donc, si nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte, c'est absolument impossible qu'on soit capable de le formaliser vis-à-vis des équipes et de leur expliquer que ce qu'ils font a un impact et a de l'intérêt et qui contribue à faire progresser l'entreprise. Donc je pense que ça, c'est vraiment un des gros enjeux, un des gros axes de travail. Et comme on est en pleine phase de développement et qu'on ouvre des restos assez régulièrement, c'est effectivement de se poser les questions sur la partie investissement. Donc voilà, sur nos prochaines ouvertures de Monaco, on s'est posé la question. Sur notre prochaine ouverture à Marbella, où il y a un peu plus de soleil qu'à Paris, bah on se pose un certain nombre de questions qu'on ne se pose pas forcément à Paris ou sur des technologies qui ne sont pas viables à Paris ou même dans le sud de la France. Là, on a certaines questions qu'on peut se poser avec des réponses un peu différentes qui peuvent devenir intéressantes. Philippe ? Oui, alors je dirais deux choses. Continuer à accompagner nos clients pour les aider à réduire consommation d'eau, consommation d'énergie, réduction des déchets. Et puis deuxième axe de travail, c'est sur les doseurs connectés, parce que ça nous permet justement de mesurer où on en est et d'avoir ces KPI qui manquent pour pouvoir suivre. Si je prends un doseur connecté qu'on est en train de mettre en œuvre sur le lavage du linge, particulièrement intéressant sur les maisons de retraite ou sur les hôtels, qui va permettre de piloter, de savoir combien on a fait de cycles, de réduire les temps de cycle, ce qui va permettre de réduire aussi les températures de lavage, donc les consommations d'énergie, et tout ça de pouvoir le piloter en temps réel avec une app qui va permettre de le tracer. Donc quand on couple, je crois, le digital avec une volonté de démarche environnementale, je pense qu'il y a plein de choses à faire et il y a plein de champs possibles à découvrir. Et je pense que c'est peut-être un des chaînons manquants pour mesurer toutes les actions qu'on met en place. Voilà, c'est la prochaine étape. C'est sur cette parole extrêmement positive. Est-ce qu'il y a dans la salle, on a peut-être le temps pour une ou deux questions, mais pas plus ? Non ? Ce n'est pas tout à fait une question, mais plutôt une remarque par rapport à la restauration collective. C'est vrai que quand on va dans un restaurant, on pourrait avoir des assiettes petite faim, des assiettes grande faim, comme celles qu'on peut proposer aux collégiens, par exemple. Mettre en place un gâchimètre du pain aussi, parce que souvent, les clients dans un restaurant vont gaspiller le pain, donc là ça pourrait être peut-être plus parlant pour les gens. Et enfin, au niveau de la zone de dérochage, travailler sur des tables de tri connectées dans le dur, quoi. Voilà, donc là ça pourrait permettre de mesurer en direct notre gaspillage et voir quelles mesures on peut mettre en œuvre, voilà, par exemple. Alors, ce n'était pas une question, mais je vais quand même répondre. Non, sur la première, non, parce que c'est intéressant sur la première partie, sur la taille des assiettes, parce qu'on en a un peu parlé. Sans dévoiler de grands secrets, on va ouvrir un nouveau resto après les JO en 2024 au sein du Grand Palais à Paris. Et on s'est posé la question, et c'est la voie qu'on est en train de prendre, d'arrêter le traditionnel entrée plat dessert et de voir si on pouvait vers des assiettes à taille unique, donc portionner un peu plus petit que les plats,
et de sortir. Alors c'est un gros changement quand même de sortir, surtout sur le repas à la française, qui est quand même une institution et qui est assez normée. On se pose la question de dire, est-ce que le fameux entrée plat dessert a encore du sens? On verra fin 2024 si vraiment on l'a fait ou pas, parce que peut-être qu'on cédera à la pression du traditionnel repas à la française. Mais en tout cas, c'est une des questions qu'on se pose, de dire, est-ce qu'il faut venir par exemple sur des assiettes de taille moyenne qui seraient entre des entrées et des plats, donc pas forcément sur du système de tapas, hein, mais voilà, sur une assiette grammée un peu différemment et qui permettrait derrière effectivement de limiter le gaspillage alimentaire et de s'adapter, en tout cas nous on voit comme ça, de s'adapter à des habitudes de consommation un peu différentes. Oui, alors je peux parler du pain. D'abord, il y a quand même deux choses. Je pense que ça dépend un peu du public auquel s'adresse le resto. Je pense effectivement, dans le haut de gamme, comme chez vous, c'est une vraie révolution de sortir du code entrée plat dessert. Chez Big Mama, on est déjà, alors, on est un peu plus dans inciter les clients à partager. On a toute une partie antipastille dans nos cartes où clairement, là, on vous dit, bah voilà, prenez une ou deux assiettes, partagez-le si vous en voulez plus, recommander. Donc, on est un peu plus dans cette philosophie-là déjà, mais je pense que c'est vraiment lié aux clients auxquels on s'adresse, hein, tout simplement. On a un peu, tu l'as ouvert et mademoiselle aussi, vous en avez parlé, c'est vrai qu'on a répondu à cette table ronde en oubliant quand même la partie tech et on n'a pas parlé de toutes les réponses que la tech pouvait... pas forcément nous apporter, mais en tout cas, à quel point la tech pouvait être des éléments facilitateurs dans les réponses. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé, mais bon, il y aurait une nouvelle table à faire là-dessus, parce qu'effectivement, il y a maintenant aujourd'hui plein de startups qui se mettent à notre service pour nous aider, que ce soit à mesurer nos impacts, mais aussi à aller plus loin, comme les poubelles connectées, etc. Pour parler du pain, juste de manière anecdotique, c'est vrai qu'aujourd'hui, le pain, c'est clairement un axe de gâchis assez important dans la restauration, surtout en France, enfin, particulièrement en France, parce qu'on a cette culture de vous mettre la corbeille de pain sur la table. Chez Big Mama, on travaille dessus. Alors déjà, à l'étranger, on ne met pas de corbeille de pain, en fait. C'est vraiment à la demande du client. C'est-à-dire que le pain existe, mais il n'est pas mis au centre de la table comme en France. Et en France, ce qu'on fait, c'est qu'on incite, enfin, c'est beaucoup de formation des équipes, mais on leur dit, en fait, soyez attentifs à ce que le client commande. Si un client prend des antipastis, évidemment, il faut apporter du pain. Mais si le client, il prend des pizzas et des pâtes directement, n'apportez pas la corbeille de pain. Si vous la demandez, évidemment, vous l'apportez, mais a priori, s'il mange des féculents, il ne va pas revouloir du pain avec. Donc, soyez attentifs à ça. Soyez attentifs à la quantité que vous mettez dans les corbeilles aussi. Si y a trois clients, bah, mettez trois boules de pain et pas cinq, parce que là aussi, on le sait très bien, pour des normes d'hygiène, à partir du moment où la corbeille arrive sur la table, son contenu sera jeté après. Donc, il faut juste essayer de coller au plus proche à la demande. Donc, c'est marrant, on a eu la discussion ce matin avec notre directeur des opérations et notre chef exé sur le sujet du pain. On va ouvrir un resto, mais moins italien, plus américain, où il y aura pas mal de burgers et autres. Et la question s'est posée de dire, est-ce qu'on doit forcément et nécessairement apporter, parce que dans un resto assis en France, plutôt haut de gamme, si on vous apporte pas de pain, ça pose une vraie question. Et on s'est posé exactement cette question de dire, est-ce que vraiment quelqu'un qui va derrière commander un burger, est-ce que vraiment on lui apporte en plus une corbeille de pain? On en est arrivé à cette conclusion très normande de dire, c'est vrai, t'as raison, mais quand même, si le pain est bon, c'est quand même bon. Et en fait, typiquement, là, moi, je travaillerais différemment. C'est, je dirais, ben, puisque on sait qu'on se met un petit peu en porte-à-faux par rapport à nos clients, eh ben, on va le communiquer. On va dire, voilà, dans ce resto-là, volontairement, on ne vous met pas de pain sur la table parce que, en fait, on a envie de faire du bien à la planète, etc. Évidemment, si vous en voulez, on peut. Sauf à discrétion, voilà. Sauf à demande. Du coup, tu peux en faire un axe de. En fait, on vous invite avec nous à aller changer un peu le monde. Et qui est sans doute une façon dont on va le résoudre, c'est-à-dire, il n'y en a pas, sauf. Et que ce soit explicité par les serveurs et par les équipes. Oui, je voulais donner une illustration, rebondir sur l'intervention de Bérangère Haut, sur le fait que quand on se promène dans les bureaux, il y a beaucoup, beaucoup de déchets après la pause midi, avec beaucoup de plastique dans les poubelles. Moi, je travaille dans un petit pays qui a trouvé une solution, qui n'est peut-être pas miracle, mais en tout cas qui fonctionne dans les petits pays. Je travaille à Monaco, où en fait, les commerçants ont mis en place un système de consignes en verre, tout simplement. Alors, il y a une appli, ça coûte 7 € à la charge, mais après, on va rechercher son plat. C'est un plat en verre, agréable. Et après, dans la principauté, sont disposés des containers où le consommateur remet sa consigne sale et vide. Après son déjeuner, il a 14 jours pour déposer sa consigne et sa caution de 7 € lui est restituée en temps réel.
autant d'utilisation en moins de contenu plastique. Et il y a plusieurs dizaines de containers comme ça répartis sur la principauté. Ça fonctionne bien. Est-ce que ça fonctionnerait à l'échelle de la Défense ou de quartiers d'affaires, en tout cas parisiens? Mais ça existe et je crois que c'est une volonté politique à mettre en œuvre derrière. Je pense que malheureusement, on est arrivé au terme de la conférence. Je voulais vous remercier tous les trois. Et si vous avez encore des petites questions à leur poser, je pense que c'est en partant. Et Bérangère, merci doublement d'être venue puisqu'elle a accouché la semaine dernière. Donc voilà, donc merci. Et elle doit repartir le plus rapidement possible. Merci à vous. Merci à tous. Bon après-midi.